Nous sommes réunis encore en ce matin dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom à toi, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi, porteur de grâce. Bonjour à toi, de là où tu te trouves. Que la paix, la joie, l'amour de notre Seigneur soient ton partage en ce matin. En ce matin, j'ai tout simplement envie qu'on se laisse conduire dans cette adoration. En ce matin, j'ai envie de dire à cette âme de s'exprimer librement dans la présence de Dieu. Laisse-toi tout simplement porter par la présence angélique autour de toi. Laisse-toi tout simplement porter par le Saint-Esprit. Laisse-toi tout simplement porter dans cette douce présence de notre Seigneur. De là où tu es, que sa gloire t'envahisse. Qu'il t'amène dans les hauteurs de sa sainteté. Qu'il t'amène dans les hauteurs de son amour. Qu'il t'amène réellement dans les hauteurs de sa présence. Que tu sois enivré de ce qu'il est. Enivré d'amour, enivré de paix, enivré de joie. Et en ce matin, j'ai envie de dire ceci à une âme. Ne réduis pas ton Seigneur à un simple Dieu de miracles. Car il est plus qu'un Dieu de miracles. Il est plus qu'un Dieu de prophétie. Il est au-delà du sensationnel, du paraître. Il est plus que ça. Il est plus que ça. Et en ce matin, il vient te dire, mon enfant, ma fille, mon fils, donne toi à moi. Parle-moi, car je suis là et je t'écoute. De mon foyer, de mon travail, je veux te parler, je veux te parler de ma vie, de ma famille, je veux te parler en ce matin, je veux te parler. De mon foyer, de mes enfants, je veux te parler, je veux te parler de mon travail, de ma nation, de gloire en gloire. Tu amènes une âme en ce matin.
dans les profondeurs de ton amour, tu amènes des familles, tu amènes un foyer en ce matin. Dans les profondeurs de ta paix, Seigneur, tu amènes une âme qui crie à toi en ce matin. Et je crois, Seigneur, que tu feras du bien à une âme. Je crois, Seigneur, que tu parleras dans la vie de quelqu'un en ce matin. En ce matin, Seigneur, dans cette adoration, je sais que tu parleras. Parce qu'une âme vient te parler de sa vie. Une âme vient te parler de son foyer. Une âme vient te parler de sa famille. Une âme vient te parler de son travail qui n'avance pas. Une âme vient te parler de sa famille qui est divisée. De sa famille qui a besoin de toi. Une âme vient te dire, Seigneur, j'ai besoin de toi pour mes frères, pour mes sœurs, qui ne se parlent pas. Une âme vient te parler de son foyer, là où l'amour n'y réside plus. Là où le mari est perdu, là où la femme est perdue, les enfants égarés car ne savent pas où donner de la tête. En ce matin, ces âmes te parlent, Seigneur. Alors lève-toi et parle dans leur vie, Seigneur. Que ta gloire leur touche de là où ils sont, Seigneur. Que ta gloire les visite, Seigneur. Au-delà de tout miracle, Seigneur, que ta gloire les visite en ce matin. Visite ces familles divisées. Visite ces foyers. Visite tout simplement ces âmes qui ont tant besoin de toi. Que ta gloire les touche, Seigneur. Ta gloire est là en ce matin pour nous faire du bien. Ta gloire est là en ce matin pour nous rassurer, pour nous relever. Alors, Seigneur, que ta gloire nous touche. Que ta gloire nous touche, Seigneur. Que ta gloire touche ces familles. Que ta gloire, Seigneur, touche ces foyers. Que ta gloire, Seigneur, touche ces nations. Que ta gloire, Seigneur, touche ces enfants égarés. Que ta gloire, Seigneur, vienne visiter ces différents lieux de travail. Ces âmes à la recherche de travail. Que ta gloire simplement touche et envahisse. Une nuée de ta gloire, Seigneur, les enveloppe. Une nuée de ta gloire, Seigneur, les enveloppe en ce matin. Dans sa présence, sa gloire te touche.
à toi qui as déposé ta famille, ton foyer à ses pieds. Sa gloire te visite maintenant. Sa gloire te visite, sa puissance te visite. Et elle te fait du bien. Elle te fait du bien. Elle te rassure. Toi qui pleures, il te dit, sèche tes larmes, sèche tes larmes. À toi qui es fatigué, il te dit, je te donne de ma force. À toi, enfant perdu, il te dit tout simplement, tiens ma main et ne lâche pas. Je te souhaite de demeurer dans cette présence. Si tu as envie de continuer à adorer, laisse-toi tout simplement guider. Laisse-toi tout simplement guider par le Saint-Esprit. Laisse-toi tout simplement porter tout au long de cette journée, peu importe. Laisse-toi tout simplement, si tu n'as pas des mots, laisse tout simplement ton cœur et ton âme s'exprimer. Que ce soit par des soupirs, que ce soit par des... peu importe comme tu le sens et selon ce que le Saint-Esprit te donnera, laisse-toi tout simplement porter. Et je te souhaite de passer une agréable journée dans sa sainte présence. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.